Ok les gars, on est totalement parti. Une petite heure, là c'est juste une petite heure. Parce qu'on est comme ça, on aime bien les petites heures. Comme ça après je vais aller faire ma siestasse tranquille. Et par contre j'ai pas réussi à activer le chat sur le jeu, ça me casse les couilles tout le studio. Allez, tout studio, s'il te plaît. Ah, rien qui va. Dommage les man, dommage. Dommage les mages. Oh, j'ai eu un mail. J'ai 3,29€ sur Epic. Putain, mais c'est dingue. Vous vous rendez compte, les gars? 3,29€, je peux même pas m'acheter un skin d'armes. Ok, c'est notre moment, les potos. Tout transpirant là. Oh, oui, on adore ça. Ok, let's go. Vas-y, vas-y, bah approchez, approchez les manins. Mais calmez-vous, mais arrêtez. Non, c'est lui que je vois en favori, putain, modifié. Ok, c'est pas grave, il faudra juste que je fasse. Ouais, mais dans les caisses, putain, ça veut dire que je vais avoir ça. Bon, vas-y. Écoute, Feufti, on va faire avec les moyens du bord. Hop, pas le choix. Oh putain, y a du brouillard. Ok, c'est le retour de mes du normal. Let's go! C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Voilà. Let's go! Alors, c'est à quel endroit? Par là. Hein. Zéro birdie. Par là, c'est sûr. Je suis niqué. Bon, ok, c'est pas mon meilleur début de partie, ça, on va pas se mentir. Un gonze là. Lui qui avait l'arme de folie? Non. Regardez, regardez, regardez. Déçu.
putain. C'est pour ça qu'il me faut un viseur, moi je suis nul quand je vise avec le... Je sais plus comment on dit, la mire. Je crois que c'est ça. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Y'a un gosse qui va venir là, c'est sûr du coup. Et je vais l'atteindre. Et je vais le trouver. Et je vais m'occuper de lui d'abord. Arrête! Voilà. Chier toi. Je peux rien acheter là, c'est nul. Ah ah! Il était à quel endroit ce bâtard? Ah ok, il était vraiment juste là quoi. Je vois le genre. Oh enculé, il est à quel endroit mon largage? Là-bas. Ah! Mais non! Ah non, je me suis pas bien battu, frère. Hein? Veulent me foutre en l'air, je te le dis. Ils ont mis deux fois la même image, carrément, ils se sont pas fait chier. Hein. Oh les développeurs de Call of là, on se foutrait pas un peu de notre gueule? Simple question hein. C'est long. À quelle heure Call of? J'ai une heure pour jouer carrément. Un quart d'heure de chargement. Putain de merde. Ok, let's go. Hein. Putain, j'ai encore pas changé mon équipement favori. Je viens de te sauver la peau. Ennemi dans la zone d'opération. Thank you.
Lemon Bakers. Les nazis d'Allemagne. Ok, let's go. Survivez jusqu'à la fin du chrono pour être redéployé. Obtenez des points pour accélérer vos armes. Écoutez-moi bien, je veux cette arme en fait. Je pense qu'il y a une mésentente tout à l'heure parce que vous me l'avez pas donnée. Merci. Bon, je vais voler son kill. Bonjour, moi c'est Jérôme, surnommé Teddy. Salut Jérôme, comment ça va? Ah ouais, il me dit GG, tu sais. Je me dis, mais qui GG? C'est même moi, Jérôme, j'ai jamais appelé GG, hein, qu'on se le dise. C'est Teddy quoi, c'est son petit nom de scène, c'est Teddy le monteur qualitatif quoi. Moi j'y vais sans armes, à la gueule. Un peu de C4 au cas où quand même. Ah toi t'es une catcheuse toi? Ah ouais toi t'es une catcheuse toi? Ah ouais? Station de ravitaillement ennemi déployé. T'es une petite putelle. Avec ton slip là. Y'a guerre ici ou quoi? Putain, oui. Les renseignements semblent révéler la prochaine zone de gaz. Amenez-les à la station de liaison signalée pour décryptage. Allez! C'est quand tu bouges pas ça va, mais dès que tu bouges c'est pas net ou ça pixelise. On est bien en 1080 donc je sais pas, bah je t'avoue j'en ai aucune idée parce que moi je vois pas ça sur mon écran GG. Oh, ça m'a l'air tout à fait normal. C'est chelou en vrai. Oh putain. Y'a un gros qui veut mon cul.
plein milieu de tout, en fait. J'allais dire en plein milieu de rien, mais si, je suis en plein milieu de tout. Oh là là, ce chien, il est bon lui. Ouais. Non mais c'est le stream, mais à savoir si c'est que moi ou pas. Bah, c'était que toi, ouais, parce qu'hier, je sais plus qui c'est qui était là aussi, qui t'a dit que ça buguait pas pour lui. C'était Capo, je crois. Faudra qu'on demande s'il y a des gens qui passent par là. Ah! Putain, je l'ai vu. Ah bah bâtard! JJ's, qu'est-ce qu'il m'envoie? Oh! Tu m'as fait un petit clip pour le. Ah putain, ouais, GG, si tu recommences les clips là, c'est génial. Là, on est tranquille jusqu'au 4 août. Faut que je me retape une session clip, j'ai encore deux sessions à analyser. Et si tu me fais des petits clips, mon GG, tu régales comme toujours. Y'a un gros là. La technique interdite. Oh putain, la technique interdite, non! Bah ouais, c'est la technique interdite. Je le sais pourtant. Non, c'est pour regarder quand je regarde le clip, c'est pareil, c'est pas net. Putain, mais c'est bizarre. Et les redifs sur YouTube? Faudrait que j'aille voir ça. Et cours, putain, ça me fait chier quand il veut plus courir. Ils ont été plus forts que nous. Regroupez-vous et repartez au combat. Attends, fais voir. Ma chaîne. Non, ça c'est des vieilles. Voilà, ça par exemple. Ouais, les gars, j'en ai gros, je vous le dis. Attends, bouge pas, je regarde mon. Niveau rota, je vois que ça là. Ouais, même sur YouTube, ça a l'air dégueulasse. Peut-être qu'elle a pas fini de s'uploader en HD, elle aussi, c'est celle d'hier. Ah bah c'est Skull ça. Ouais non, tu vois, quand je me déplace sur Once Human, je vois pas de bug. J'essaie de trouver un Once Human plus proche peut-être. Tout le monde on se casse d'ici. Genre là par exemple, voilà. Sort de vidéo pour 24 heures. On part bientôt. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mon JJ. Merde.
Ça me paraît pas net aussi ta dernière vidéo Warzone. Hey mon loulou, hey capo, hey ma qui tremble, ça va ou quoi? C'est chelou en vrai. Capo et ma qui tremble, vous allez être mes petits Est-ce que vous voyez que c'est pas net? Est-ce que ça vous semble flou? Est-ce que... Comment on est? Est-ce que ça pixelise? Est-ce que c'est dégueulasse? Parce que la vidéo Call of, peut-être qu'elle a pas fini de télécharger en HD tout simplement. Fais voir si je vais regarder. Bah si, normalement. Si elle est en HD, je sais pas. Ils vont mes petits copains là, comme ça là. Putain, j'ai chaud, je transpire sur mon bureau et tout, carrément. Je ne suis que transpiration. Ah. Peut-être que c'est quand tu regardes en 1080p, j'ai essayé de regarder en 720 peut-être. Et où ce bâtard? L'hélico, on va un stronghold. Y'a un gros. À tous les bravos, on s'apprête à connaître les positions ennemies. C'est... Cherche le riptide. Et voilà, un riptide réussi. Quand tu cours, c'est pas net et vous les gars. Ok. Tu joues pas en sprint tactique auto? Pas du tout. Non, non, c'est moi qui fais. Parce que sprint tactique auto, ça me fait chier, au final ça court tout le temps quoi, non c'est ça hein. Du coup ça m'emmerde un peu, je vais pas te mentir. C'est chiant. Merde. Moi je voulais aller à Stronghold. On se casse. Oui tout le temps c'est pour faciliter les moves. Ouais mais moi tu sais ça me perd plus qu'autre chose ma qui tremble. J'avoue. J'avoue tout. Je crois que ce Stronghold c'est ici qu'il faut aller. En bas d'ici même je dirais. Je suis pas persuadé du tout de cette info. Non, je crois que mon info était pas la bonne. Peut-être là? Non. Merde. Je veux trouver l'œuf de Pâques. De Pâques est là. Oh merde! J'avais pas prévu ça moi. Cours Hoffman! Mais qui? Arrête
Et du coup, les gars, est-ce que vous avez l'impression que ça pixelise, que la qualité est dégueulasse, moins bonne que d'habitude, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est que GG? C'est vrai que GG, il y a que toi qui m'a dit ça pour l'instant, mais c'est bizarre. En fait, je vois pas pourquoi ça aurait changé de ton côté comme du mien, quoi. Tu veux la jouer comme ça, frère? Vas-y, viens. Viens, petite pute, viens. Tu veux camper le largage? Viens, on va camper à deux. Et si. Chienne que tu es, va. Toi tu veux kicker des gens, toi? Comment il a fait? Attends, non. Ce chien. Non mais c'est sûrement moi, mais je sais pas pourquoi. Bah je sais pas non plus, mon GG. Je suis nul à chier, putain, aujourd'hui, c'est dingue. Pas un move de qualité, quoi. Ah, ce sont des choses qui arrivent, on va se fumer une petite clope. Ce soir, pas de stream, je suis à Bordeaux. Mais demain, normalement, je rentre tôt. Donc demain, il y aura très certainement un stream. Je sais pas. Peut-être de 10h. Si je rentrais à midi, je peux jouer jusqu'à 22. Ouais, c'est bon. Il y a Gomar qui est chaude en plus, ça va revenir. Ah, bah Gomar, putain! Elles sont où les cartes? Ils sont où les Indiens? Oh, il y a Jojo aussi, putain! Non, bah là, j'avais pas le temps. Je voulais jouer qu'une heure et faire mes duels, ça me prend une heure et demie à peu près. Je sais que je me serais pas arrêté, tu vois. Putain, j'ai cru que t'étais décédé, je suis au taf. Tu vois, Gomar, tu manques aux gens. C'est exactement ce que je disais à Gomar. Mais Gomar va reprendre le stream, les gars, ne vous inquiétez pas. Gomar va reprendre le stream. C'est juste que là, je l'ai laissé un peu profiter de la vie, mais c'est bon, le coach de stream de Gomar est revenu. Je suis son parrain des streamers anonymes. Ça va pas se passer comme ça, les gars. Noob Gomar, mais évidemment, Noob Gomar. La meuf, elle va en Bretagne tous les week-ends déjà, tu vois bien que c'est une noob. Non, en vrai, je bouge pas mal. Et il y a les JO. C'est quoi, tu t'intéresses au sport quand c'est pas toi qu'en fait ou ça se passe comment? Avec ton gros corps là. Je suis désolé. Avec ton gros corps, il était peut-être en trop. Je me suis peut-être un peu emporté là-dessus. Oh putain! J'aime bien voir des culs fermes. Des culs fermes ou des culs fermés? Ah, ferme, ouais, putain. Coup de luck pour le taf, Jojo. Non. D'ailleurs, non, Jojo, chacun sa merde, hein. Putain, ça va être rempli de punk à chien à côté de chez moi ce week-end. Je vais me sentir un peu à la maison, quoi. Y'a le reggae Sunska juste à côté de chez moi. Avoir des grosses basses et surtout avoir des cournées partout, et ça j'aime moins ça. Une fête de famille absolument. Un gros festoche reggae. Y'a... bon alors y'a des artistes qui sont pas du tout reggae, mais y'a IAM carrément qui vient. IAM, Kassav. Zoukla, c'est celle Medicamononi. Ça passe. Ça arrive sur moi là. Oh là, bien joué. Putain, stylé, et t'y vas pas du tout. Je suis pas un mec de la foule, moi, c'est fini tout ça. Faut que j'arrête de toujours vouloir viser en fait, c'est ça mon problème, je crois. Quand ils sont si proches, faut que je les bute au jugé.
Vas-y, je vais aller chercher le snipe là, je vais essayer de faire des dingueries. C'est mon moment les gars, je fais au moins un kill avec. Regarde-le lui là-bas. Oh. Ça va toi? Chopala! Oh mais c'est quoi cette arme? Je croyais que c'était une mitraillette. Ah tu l'aimais bien la foule quand cette fille a des petites pièces, c'est vrai, mais j'ai plus mon bâton du diable, j'ai plus mes dreads, j'inspire moins la pitié. Du coup maintenant j'essaye de jouer un peu le mec, t'es rangé, genre je suis plus dans la prévention maintenant. Ça me va mieux. Oh putain! Mais niquez vos mères! Pardon. J'aime bien la foule en teuf aussi, hein. En fait j'aime bien la foule où je peux m'échapper, et là si je vais dans un festoche que j'organise pas, c'est chiant parce que du coup t'es bloqué, t'es juste public, tu vois, tu peux pas le cacher à des endroits. Bon, en teuf je kiffais ça, quand ils me cassaient les couilles les gens, soit j'allais faire du saut, soit j'allais derrière le bar, soit j'allais à la Donna, faire des trucs quoi. Là faire un festoche juste pour la musique et me défoncer la tronche, ça m'aguiche moins qu'avant. Y'a un festoche qui m'aguiche. Un seul. Le Defcon 1. Et lui je le ferai un jour, c'est sûr. Defcon 1 c'est en Hollande. Et c'est la folie carrément. C'est un gros festival hardstyle hardcore un peu. C'est ouf. Il y a du saut à l'élastique en face des scènes. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, déjà, il me tarde Barcelone, sa mère. Molotox, il vient avec nous, c'est sûr à 95%. On va ramener une GoPro, on va faire n'importe quoi. Et après, vous aurez un petit best-of de Barcelone sur YouTube, évidemment. Pour une fois, ce sera pas juste des story snap que vous pourrez voir un jour, là, ça va être vraiment une vidéo qui va rester. Burning Man aussi, faut que tu le fasses. Burning Man, ça a l'air cool, mais dans le désert, avec la poussière et tout, les gens, ils en chient sa mère. Hein. Monegro aussi, il est pas génial à première vue en Espagne. Pas du tout génial. J'ai des potes qui l'ont fait, ils ont pas... Enfin, c'est bien pour les artistes et tout, mais... Et après, c'est dans le désert aussi, quoi. C'est seul dans le désert, faut pouvoir assumer, quoi. Là, déjà, hier, il a fait 40 degrés à Bordeaux. J'ai cru que j'allais crever. Wow, chaud, lui. J'avoue, ça doit être haut et la poussière. Mais ah bon? Tu regardes sur toutes les vidéos du Burning Man, hein, tous les mecs ils ont des bandeaux jusqu'à là, t'as des tempêtes de sable, t'es au fin fond de je sais pas trop quoi. Et ça c'est vraiment un truc de hippie par contre le Burning Man, hein. Ça c'est tous les vieux hippies qui arrivent en camping-car des quatre coins des États-Unis. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa, j'ai rien contre les hippies, hein, attention. Hein. 42, non, alors il faisait pas 42 exactement, je crois qu'il faisait 38. Mais hier après-midi, quand je suis allé pour embaucher, je suis monté dans ma voiture elle affichait 48 degrés. Genre, ça va, c'était pas aussi insurmontable qu'en Inde, mais c'était horrible, il manquait que l'humidité en fait. Mais en Inde, c'était immonde carrément. Bon, allez, là c'est notre game, les gars, c'est bon, on porte nos couilles, hop, hop, ça a chié. Ouais, ça doit être horrible. C'était horrible, mais bon, t'es en Inde et au Sri Lanka, donc c'est horrible, mais en vrai, c'est largement surmontable quand tu vois les paysages, les gens, le prix des trucs, et... Pff. Lui, il va dans ma lucarne, lui. Ah non. Toi, viens ici. C'est...
Mais c'est le Riptide! Au-dessus, putain, y'en a un qui a une arme de fou, je crois. Oh putain! Tu ne te ressuscites pas, ok? Tu ne te ressuscites pas, ta mère. Laisse-moi tâcher, putain! Il avait la carte, il est dégoûté, je pense. C'est tes potes indiens qui t'en ont parlé. qui vont parler de quoi? De commencer en Inde? Et absolument, j'y suis jamais allé. Hein. Toutes les photos que vous voyez et tout que j'ai mis sur mon Facebook, c'est du mytho. Hein. Oh là là, là-bas il y a un bazooka. Regardez-le. Putain. M'en branle, je m'en branle! De toute façon, tous mes voyages, là, même Barcelone, là, ça va être du mytho. En vrai, on part à Cahors, hein, mais tu sais, on va trouver des gens qui parlent un peu espagnol, on va faire semblant. Bon, Gomard, du coup, demain, à quelle heure tu penses pouvoir être debout? Non, pardon. À quelle heure tu penses pouvoir être opérationnel? Genre, à quelle heure on peut lancer le stream? Et d'ailleurs tu m'as pas répondu Gomard, Fofo want, Fofo Fall Guys, Once You Man, tu veux jouer à autre chose, peut-être que t'as investi dans le Game Pass, y a un jeu que tu veux tester, Call of Duty, en vrai 13h. Ah si bah 13h, 13h ça fait qu'il faut que je parte vers, ouais, je pars à 11h de Bordeaux. Je peux arriver pépouze, on va faire ça. MDR non, ok, donc tu veux jouer à quoi? Vas-y Gomard, vas-y, vas-y, dis-moi, je te suis, même si c'est du Fall Guys, je te suis, avec grand plaisir. On peut aussi se faire une course de Chain Together, si tu veux. Celui qui perd, il... On peut faire une course de Chain Together et parier un truc. Once Human, j'ai bien envie de tenter, mais je vais être nul. Bah non, parce que tu vas être avec nous. Non pour le Game Pass, oh, ok. Bah en vrai Once Human, prends-le hein. Prends-le, viens test avec nous, je sais pas si t'as vu quand on joue là, on a tous notre petit village, on est tous à côté, Capo il nous fabrique des outils, il est hyper gentil. Si tu veux partir à l'aventure, on est là. On a tous nos petites maisons autour d'un lac, on est bien quand on est bien. Ouais, je sais pas, j'ai déjà vu des gens bien, mais nous on est vraiment bien. Nous. Oh. Oh. Ah mais je sais, je vais retourner à mon truc de pour faire du ball trap. C'est là, là. Là. Poule! Oh, bah merde. Ouais, en vrai, je veux bien tenter, mais je suis pas certaine de rester longtemps si je kiffe pas. Bah en vrai tu sais quoi, on tente. Et si tu kiffes pas on change, on s'en bat les couilles, je vais pas t'abandonner parce que t'aimes pas un jeu, on a dit on joue ensemble. Y'a moyen que ça mais se chauffe un peu plus tard. Donc après sauf si tu veux partir sur Elden Ring bien évidemment tu me dis, mais en vrai si tu veux qu'on parte sur Fofo, Fall Guys, n'importe quoi, je suis là. Même Phasmophobia si tu veux, t'aimes pas les jeux d'horreur toi? Ah mais Phasmophobia il est payant et toi t'es une clocharde, autant pour moi. Attends Gomard, pour une fois qu'on t'a avec nous en stream, je vais pas te lâcher comme ça ma gueule, on a dit qu'on joue ensemble, on joue ensemble. Moi tu sais ce qui m'importe Gomard, c'est de jouer avec toi avant tout, le jeu m'importe peu. Moi je suis avant tout là pour prendre du plaisir et me dire que je suis bon en voyant ton niveau tu vois. Pas vraiment de préférence. Hein. Y'a des grosses.
Ta mère. Casse. Ah, y'a encore le taquet radicator mes couilles là. Ça c'est quoi ça? Petite mission. Petite douche. Un gros là. Oh mais c'est quoi cette arme de merde? Ah ouais, code name aussi, je serais trop chaud, faut qu'on soit 4. C'est toi qui as les amis, je te laisse gérer. Mais ça en vrai t'aurais été dispo jeudi, on aurait pu le tenter à 4 tu vois. Parce que Molo il bosse pas le jeudi après-midi. Et le truc c'est que Molo il va être dispo le soir, mais toi le soir t'es plus dispo. Sam, je pense que quoi qu'il arrive, elle est chaude tant que c'est passé 15h parce que comme ça, elle sera réveillée. Salut toi. Ah bah y'en a. Salut toi. Le gaz se déplace. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bien ça. Ah ouais, le mec il a équipé sa mitrailleuse tel un fusil d'assaut carrément. Connectez-le à la station de liaison signalée pour que nous puissions le déchiffrer. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Vas-y, y'a aucun problème ma gueule. Attends, bouge pas, j'arrive. Bouge pas, on t'a dit. J'ai récupéré mon arme en plus, ce chien. Y'a un snipe derrière moi, je crois. Salut man. Largage tactique allié imminent. Ok, c'est sur le toit, parfait. T'as quoi toi? Et c'est le Riptide! Cherche le Riptide! Et voilà! Un Riptide réussi! Attends, t'as cru que j'avais pas fait un Riptide ou quoi? Phasmophobia, je suis chaud. L'ennemi a déployé un drone mosquito. Je
connais juste de nom. Asien, mais j'ai lu avant Gomard. Tu m'as dit que c'était moi qui avais les amis qu'il fallait que je gère. Attends, c'était encore avant? T'es vraiment le chien du punk à chien que tu penses être. Oh, allez! Et Phasmo, je dirais qu'il est pas si cher. Hein. Et en plus, Phasmo, je peux motiver. Je peux essayer de chauffer Eki. Eki, elle est hyper gentille. C'est la copine de Phasmo, quoi, Eki. On jouait principalement à Phasmo avec Eki. Et si aussi, je pense. Hein. Il va encore me crier dessus, mais voilà. Qu'est-ce qu'il va là, tous atterrir là, là? Je me suis bloqué là comme un connard. Ok. Braderie activée. Les prix des stations de ravitaillement ont été ajustés. Wow. Tac, attends, je vais mater les jeux vite fait. Asie, man. Gedzi. Gedzi. Même Gedzi, s'il y a des jeux gratos que t'as envie de tester ou quoi. Ou des jeux que moi j'ai déjà aussi. Hein. Moi je m'en branle, ça fait du bien de changer un peu, tu sais. Ça, c'est bien ça. Le gaz se propage. Ok, il y a un gonze là-bas, à côté du bateau. Et il est plus bas que moi. Ouais, il est plus bas que moi, donc il est dans l'eau, lui. Il est là. Tu vas mourir de la zone. Bien se battre à un moment les deux, non? La résurgence a été désactivée, c'est maintenant que tout se joue. Les stations de ravitaillement est en approche. Ah! Ah oh là là, ce chien bien joué. Quelle heure il est? Allez, j'en fais une petite dernière et j'arrête. On a eu quelques kills sympas. Vraiment, cette nouvelle exécution, je l'adore. Le Riptide. Rien à dire.
Anna, elle a dit, attends, je vais mater les JO vite fait. Oh là là, mais elle me dégoûte. Je suis sûr, Gomard, c'est une meuf du Tour de France. Alors attention, hein. Je respecte tous les fans de cyclisme, hein, sauf Gomard. La 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 Allez! La 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 ouais la 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 Awesome Doug. Waouh, mais il est chaud lui. El Dog. Il m'a vu arriver telle une lettre à la poste. Bonjour. Et c'est reparti, Fafti contre le reste du monde. Et pour la dernière, on va changer, on va bio-répondre. Allez. Oh putain, y'a un autre gonze. Ah mais fils de pute. Bien joué. Il m'a volé mon kill du coup ou pas du tout ce bâtard? Il m'a volé mon kill. Cool. Ah mais les... ce chien! Bon après ça va, son truc de team c'est un 3-1-2 donc on l'aime un peu plus mais Oh, y'a un bateau là? Ok, lui il est pour moi. Oh, je l'ai mis à terre?
je crois. Toutes les cibles mises à prix ont été abattues. Bien joué. Ah, il s'est raise et il est en bas, je crois. Demande un survol de reconnaissance. Je suis nul à chier, les gars. J'ai peur! Je suis de sous-merde! Ouais, t'es ouf, mais t'es sympa, donc on reste. Merci, Gobar. T'es vraiment. Toi aussi, t'es sympa, tu vois, c'est ta principale qualité, je pense. La sympathie. Ce chien. On se bat au C4 en fait. Attention. Petit coquinou. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas klaxonné. On peut rien faire ici. En fait, quand tu... Brouillage ennemi, au-dessus, drone mosquito hostile actif. Y'a quel endroit ce bâtard? Jackson! Ok, il arrive. Toi, tu voulais me niquer, toi? Bouge pas. Ne bouge pas, je t'ai dit, ne bouge pas. C'est bon? Et c'est le Riptide! Dommage, un Riptide raté. Donc là, ça te fait tout le monde à bord. Et du coup, ça va livrer une caisse tactique. Oh putain, là-bas, je l'ai vu. Il est mort. C'est quoi, c'est des morts ça? Ah ouais. Ah putain, j'étais au bon endroit.
Toujours le petit mot pour faire plaisir. Mais moi je suis comme ça, moi. Toi t'es adorable, mais toi t'es un amour, Gomar. Ils auraient dû t'appeler Marmour, tes parents, tu vois, tellement t'es adorable. Tu sais, on a envie de prendre tes joues et de faire gouzi 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 gouzi. On peut même s'y mettre à, on peut même s'y mettre à 8 vu la taille de tes joues, mais c'est pas le sujet. Pour attraper ton double manteau comme ça, faire glou. Toujours dans le coin, la petite salope qui m'a buté. Ouais. Ah, bien joué. Ils ont hésité avec Mikoz aussi. Ouais, bah ça, bah c'est ton problème. Tu donnes trop d'amour, du coup. Après, c'est une relation de cause à effet, comme on pourrait dire. Aïe. Excuse-moi, je pourrais avoir des plaques, s'il vous plaît. Les prix retrouvent leur cours normal. Ah oui, c'est un cours. Bah, leur cours normaux, non? Leur cours normal, ah ouais, parce qu'il y a qu'un seul cours. Ah oui, vu que c'est, il y a qu'un seul cours normal, ok. Gomar, t'en dis quoi? Leur cours normal? Je sais pas pourquoi c'est à toi que je demande des trucs qui nécessitent de la culture, mais... J'arrive en place sur une frappe de mortier ou quoi? Ah mais dis que ta mère! Répète STP, je range en même temps. Je disais, ils ont failli t'appeler Mikoz, c'est aussi dû au fait que tu donnes trop d'amour, tu sais. Bon, qui est-ce qu'on va aller voir du coup? Eh ben on va aller voir Bronze. Allez. Non mais pour cours. Ah je sais pas si c'est leur cours normaux ou leur cours normal. Vas-y, on va arrêter Pons les gars. Moi je vous aime, je vous fais des gros bisous comme d'hab. Et on se revoit vite. Gomar soit là demain à 13h parce que si je rentre de Bordeaux pour rien, je te baise. Genre cours de récréation, non cours, cours normal, le cours d'un prix, tu sais. Vas-y, Zoubi la femme Max. Gomar répond moi sur Monsieur Jory, aucun problème, même si t'as pas la réponse, j'en ai rien à foutre. Vous êtes tous beaux, à plus. Oh, j'ai pas lancé le raid. Hop, on lance le raid.